Ce qui au départ devait être un simple film d'aventure, s'est mué en quelque chose de bien plus profond et plus ambitieux. Maintenant, je suis prêt. Maintenant, je peux te parler. J'avais besoin de tout l'espace et le temps nécessaire. Et j'avais besoin de bien d'autres choses que tu ne pourras plus m'apporter. Alors aujourd'hui, j'aimerais te raconter comment j'ai su te dire adieu. J'ai décidé, un soir de pluie, devant mon ordinateur, alors que je traversais une passe émotionnellement difficile, de faire le bien pour moi, mais aussi pour vous. Et puis Je vois le beau est avant tout une aventure qui a été collaborative sur place, puisqu'elle a été filmée avec Lionel Prado, qui est un ami et réalisateur. Et donc nous sommes allés dans une vallée des Pyrénées espagnoles, une vallée qui est coupée de tout réseau. Nous y sommes retournés pendant 2 ans pour filmer toutes les prises que vous verrez dans ce film. Et malgré ça, il a fallu que moi j'aille compléter 2 autres fois pour avoir tous les plans que j'estimais nécessaires pour ce film. Je n'aurais clairement pas pu faire ce film seul. C'est pourquoi je me suis entouré d'une équipe, des gens que j'estime talentueux et dont le travail m'inspire énormément. Lionel a donc partagé avec moi l'aventure sur le terrain et m'a aidé à faire toutes les prises de vue nécessaires. Malgré les tempêtes, malgré les orages de l'esprit, sa main est toujours tendue. Mais elle n'est pas que ça. Parfois, dans un moment de faiblesse, on entrevoit le beau. Et quand on l'effleure, tout s'apaise. Au moins un instant. Et ce qui paraissait insurmontable s'avère être simplement là. Pour la partie graphisme, affiche, logo, j'ai fait appel à Raphaël Monvoisin, vous la connaissez peut-être. Elle est photographe, elle est illustratrice, et c'est elle qui s'est chargée de faire notamment cette affiche dont je suis vraiment très content. C'est quelqu'un dont j'admire le travail depuis des années, un univers qui me parle. Bref, voilà, j'avais besoin d'elle. Et puis, non des moindres, la partie sonore. Et là, si vous me suivez sur les réseaux depuis longtemps, vous savez à quel point le son, la musique, est primordial pour moi, c'est une source d'inspiration majeure. Alors si la musique a été le fruit de mon choix personnel, pour tout ce qui est de l'ambiance sonore, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne qui je suis, quel est mon univers et où je voulais en venir avec ce film. J'ai donc fait appel à Léo de Boca, qui a été premier prix du Twilight Tokyo Film Festival pour un autre sound design sur le film qui s'appelle Fracas. Et clairement, j'ai adoré ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, et je suis vraiment heureux de collaborer avec lui pour ce film. Alors regarde, je ne t'ai pas oublié. Mais je me rappelle à nouveau que j'ai le droit d'atteindre des sommets. Et puis Je vois le beau est un film sur le deuil. Et parce que le deuil est une aventure, ce film est un film d'aventure. Il retrace ce chemin, tantôt difficile, tantôt magique, que chacun aura à faire face à la disparition d'un proche, d'un événement, d'une période, pour s'affranchir de son poids et retrouver une liberté individuelle nouvelle. Chaque étape du deuil est là pour une raison, et j'espère très humblement que vous trouverez un petit peu de vous dans ce film, et qui vous donnera un peu d'espoir. Et puis Je vois le beau sera visible gratuitement sur YouTube et pour tout le monde. Alors pourquoi demander un financement participatif ? Eh bien parce que clairement, j'ai voulu vous offrir le meilleur film possible, mais sans pour autant demander une somme astronomique en retour. Tout l'argent récolté servira bien entendu à payer les personnes qui ont travaillé avec moi, mais si jamais la somme est dépassée, elle servira à financer d'autres projets auxquels je pense déjà et qui nécessitent forcément quelques fonds. J'ai choisi de vous proposer des contreparties variées, et ce pour toutes les bourses. Néanmoins, je n'ai pas voulu lésiner sur la qualité de ces dernières. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, j'ai besoin de vous pour que ce film puisse être diffusé à sa juste valeur, être vu et valorisé tel qu'il doit l'être. Et puis Je vois le beau est aujourd'hui le plus gros projet artistique qui m'ait été donné de réaliser. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Vraiment pas, je pense déjà à l'après. J'espère très sincèrement que ce film vous plaira et que vous souhaiterez, pour celles et ceux qui le peuvent, m'aider à concrétiser ce projet et les prochains. Merci à vous. Il me tarde vraiment que vous puissiez voir Et puis Je vois le beau. À très bientôt.